Dans un lointain royaume, situé à l'ouest de la terre des hommes, Cirdan, un passionné de vieilles pierres. La rénovation de son manoir terminée, il décide d'inviter les clans d'Andorre et Ilvarin pour un délicieux repas dont il a le secret. Les quatre compères se mettent à table et profitent du repas pour se remémorer les tendres et cocasses moments passés ensemble. Par la même occasion, rendre visite à des fantômes compositions d'hommes. Oh, mais devant une telle splendeur, nous sommes obligés de pousser la chansonnette. Retour au manoir. Cirdan se retourne vers la buvoire pour servir, mais quelque chose de bizarre se passe. Elle rentre dans un tel état d'ébullition qu'il est impossible de l'ôter du feu. Il s'approche, tous et restent stupéfaits. Matin, tous se lèvent dès l'aube afin de partir sur le voilier de Ville-Varin, grand amateur de navigation. Le vent se lève, non ? Puis, c'est le silence absolu. Avant qu'il ne se trouve aspiré par une force prodigieuse vers les fonds marins. Arrive une foule de bulbules, petits elfes des mers. Que nous sommes heureux de vous voir, nous attendions depuis si longtemps. Enfin, notre cité va pouvoir être sauvée des griffes des Barbelos. Nos quatre amis entrent alors dans le dédale d'une caverne. Le terrible Argawen vient d'apparaître par le chemin. Sans merci. Cirdan, Maeglin, Andorre et Ville-Varin, revenus au pied de la pierre, sont accueillis à bras ouverts par les petits elfes de la mer, soulagés de les retrouver sains et saufs. Les amis, il faut vous dépêcher, car si vous voulez retourner chez vous, il vous faut profiter des courants magiques qui desservent votre cité sous-marine. Que de tout temps, différentes espèces ont vécu parmi nous en secret
Peut-être d'ailleurs, aurez-vous la chance d'en croiser